tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le petit tirage du jour. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, voici le livret, l'intérieur du livret. Voilà, les magnifiques cartes. Voilà, plaqué or. Donc c'est très simple, il suffit de poser une question, de tirer l'une des trois cartes. Non, pas du tout. De choisir l'une des trois cartes. Et j'espère que la désignation répondra à votre question. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Et carte numéro 3. Qu'est-ce que tu fais, ma chichou? T'es où, ma chichou? Ma chichou! Ceci. Allez dehors. Carte numéro 1. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Mariage, accord, officialisation 36. Bon ben moi je crois qu'il y a du mariage dans l'air. Hein. Je sais pas vous, mais moi je crois qu'il y en a. Hein. J'en connais au moins un. Et je parle pas du mien. Hein. Non, ben, j'ai pas dit que j'allais marier. Non mais. Enfin voilà. Non, non, je suis même pas. J'ai même pas de bague de fiançailles. Sinon, je vous l'aurais dit. Hein. 36. Alors, qui va se marier? Levez la main. Une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique, porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vie ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie de couple. Et voilà la chouchounette. Ma chouchou. Carte numéro 2. 4. Féminité, beauté, naturelle. Oh oui, tu es belle, c'est toi, c'est de toi qu'on parle. Alors, 4. Le message de cette carte est un appel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement tel que tu es vraiment. Les faux selfs, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres, surtout avec ton partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. On l'a déjà eu celle-là. Je commence à savoir la lire. 13. Alors, alimentation, comportement, équilibre. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est la page d'avant. Il ne faut surtout pas que tu te butes sur la seule résonance du mot trahison. Hein? Vous croyez que c'est ça? Pas du tout ça. Alors, on recommence. Avec cette carte, c'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps qui doit être éclairée. Dialogues-tu suffisamment avec lui? En général, le message ici est fait pour réveiller ou réveiller ta conscience sur l'équilibre général de ta machine corporelle qui est l'unique que tu possèdes. Ton corps a des besoins vitaux, alimentaires et énergétiques et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main et ajuster tous tes écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé si tu ne veux pas
ressentir les troubles corporels et psychologiques anxieux d'un corps fébrile, abîmé et fatigué. Trouve le moyen de combattre l'auto-maltraitance causée par tes mauvaises habitudes. Il te faut combattre les addictions ou ton laisser-aller parfois presque morbide. Sois confiant, car ici, avec cette carte, on t'annonce que tu trouveras les ressources nécessaires en toi pour y arriver. Observe-toi sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps. Tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. Voilà, c'était le petit tirage du jour. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin? La petite langoutine, là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, la petite langoutine. Ouh, ouh. Coucou. Elle fatigue, ma chuchou, hein. Je vous fais tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!